1944, depuis deux ans, l'Europe attend la libération. Hitler occupe encore tout le continent, mais partout il est sur la défensive. Les armées allemandes reculent en Russie. Les alliés ont envahi l'Italie et marchent sur Rome. Ils vont débarquer à l'ouest cette année, c'est certain. Hitler a construit le mur de l'Atlantique qui va de la Norvège aux Pyrénées, en passant par le Pas-de-Calais et les plages normandes. Faites-en une forteresse imprenable, a ordonné le Führer. Le maréchal Rommel, le renard du désert, a été nommé commandant en chef du groupe d'armée B et inspecteur général des côtes de Hollande, de Belgique et de France. Un front de 1400 km. Hitler le soupçonne bien de comploter contre lui, mais il est le chef le plus prestigieux de la Wehrmacht. S'il n'empêche pas les alliés de débarquer, personne d'autre ne pourra le faire. Pour Rommel, la bataille se jouera là, sur la plage. Il faudra rejeter les Anglo-Américains à la mer tout de suite, sinon la guerre est perdue pour l'Allemagne. « Ce sera le jour le plus long, dit-il. Aussi, à son arrivée, il n'est pas content. Pourquoi ces plages désertes ? Il prend un crayon et de sa main dessine les obstacles qu'il faut dresser sur le sable pour empêcher les alliés d'atteindre la terre ferme. Des pieux, des chevaux de frise, des piquets de béton. À marée haute, ils seront à fleur d'eau et éventreront les navires alliés. Aussi, l'ennemi sera obligé de débarquer à marée basse. Alors on le verra venir de loin, à découvert, empêtré dans tous ces obstacles. » Fait déposer des millions de mines sur terre et sur mer. Il fait inonder toutes les basses terres de la Hollande au Cotentin. Ce que Rommel ne sait pas, c'est que la résistance française s'est procuré les plans complets et détaillés du mur de l'Atlantique et les a fait parvenir à Londres. Les alliés connaissent l'emplacement de chaque casemate, le calibre de chaque canon, les effectifs de chaque unité. À la conférence de Casablanca, Roosevelt et Churchill ont décidé de poursuivre la guerre jusqu'à la reddition sans condition de l'Allemagne, pas de quartier. Les états-majors ont été chargés de préparer les projets d'invasion du continent européen. Churchill voudrait attaquer par le sud, par les Balkans, le ventre mou de l'Europe, dit-il, avec l'arrière-pensée d'arriver à Berlin avant les Russes. Mais à Téhéran, Roosevelt et Staline lui imposent le débarquement à l'ouest. Le second front, que Staline réclame depuis deux ans, sera ouvert sur la côte atlantique, quelque part en France. Le général Marshall est le véritable cerveau de l'armée américaine. Il veut prendre lui-même la tête des opérations à l'ouest, mais Roosevelt s'y oppose. Il y a aussi le Pacifique et le Japon. Marshall propose alors à Roosevelt un de ses collaborateurs directs qu'il apprécie pour son sens de l'organisation et de la diplomatie, Eisenhower. Le jour de Noël 1943, il devient commandant en chef du corps expéditionnaire allié en Europe. Depuis longtemps, les soldats l'ont surnommé Ike. In effect, the stage is being set for the beginning of the great and crucial test all over the world. I have complete confidence that the soldiers, sailors, and airmen, and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. À
travers l'Atlantique, les convois alliés se mettent à transporter des millions d'hommes. La vieille Europe découvre alors avec étonnement cette armée de GI, jeunes, décontractés, insouciants, venus du fin fond de l'Arkansas ou de l'Ohio. Ils ont apporté toute l'Amérique avec eux, leurs PX, leurs rations, leurs cigarettes, leurs briquets, leurs blue jeans. Leur uniforme est coupé comme un complet veston, leur tenue de combat est une salopette de mécanicien. Qui est officier, qui est soldat? Ils ne saluent pas, ils se font un petit signe de la main. Bref, une armée de civils. Ils ont même apporté leurs danses et leurs orchestres, comme celui de Glenn Miller. L'entraînement va bientôt leur donner un avant-goût de la guerre. Il se fait au tir réel, avec de vraies balles qui tuent les maladroits. Depuis un an, tout le monde se prépare pour le jour J. Anglais, Américains et Français aussi. Volontaires des commandos de Kieffer ou Para du commandant Bourgoin. C'est pour bientôt, demandent les Français impatients au général Montgomery. Oui, bientôt, leur répond Monty, qui a déjà vaincu Rommel en Afrique. Les GI américains aussi aimeraient en finir, et vite. Ils ne se gênent pas pour le dire à leur commandant en chef. Alors ça va, GI Joe? Ok, mon général, mais on est pressé de rentrer à la maison. T'en fais pas moi aussi, répond Ike, du tac au tac. Jeep, Aftrak, forteresse volante, tank Sherman, 50 000 véhicules, 10 000 avions sont stockés dans toute l'Angleterre. Le potentiel fabuleux de l'industrie américaine a été mis au service de la guerre. Une guerre où les tonnes d'acier compteront plus que la chair à canon. L'infanterie n'est plus la reine des batailles, depuis le jour où l'Amérique a inventé la Jeep et la forteresse volante. On ne sait plus où les mettre, on les range le long des routes, sous les arbres, dans les fossés, dans les champs. On a prévu des engins spéciaux pour tous les usages. Ils ressemblent à des animaux préhistoriques. Et les soldats les ont surnommés les funnies, les farces et attrapes, façon de parler. On a même fabriqué des chars amphibies, 40 tonnes qui flottent sur l'eau, et des embarcations de toutes sortes et de tout calibre. 10 000 bateaux encombrent les ports anglais, des côtes d'Écosse aux falaises de Douvres. Enfin, on met à la mer de mystérieux docks flottants. À quoi pourront bien servir ces gigantesques jeux de cubes? Ceux qui les fabriquent ne le savent pas. C'est le secret le mieux gardé de la guerre. Eisenhower a installé son état-major à Southwick House sur la côte anglaise. 4 Anglais, 3 Américains. Dans la salle des cartes, tout a été conservé comme au jour J. Le capitaine de Vessoel était là. Il explique pourquoi les Alliés ont choisi la Normandie. Il y avait beaucoup de raisons. Les défenses allemandes dans la part de Calais étaient trop fortes, et je crois que les Allemands nous attendent là-bas. Les vents et le temps dans la baie de Normandie sont meilleurs, les vents comme ça. La concentration des navires dans la centre de Manche était plus facile. C'est pour ces raisons que nous avons choisi la baie de Normandie. L'aviation commence à préparer le terrain. Les pilotes français du groupe Lorraine participent à ces missions de bombardement tactique. En 4 mois, 6 000 avions effectuent 22 000 sorties et déversent 76 000 tonnes de bombes sur la France occupée. Encadrement du quadrilatère entre la Seine et la Loire, disent les rapports d'état-major.
En clair, cela signifie qu'entre la Seine et la Loire, tous les carrefours, toutes les gares, tous les ponts, sans exception, sont systématiquement détruits. Mai 44, toutes les unités sont rassemblées dans le sud de l'Angleterre et consignées dans des camps interdits aux civils et sévèrement contrôlés. Manifestement, l'heure approche. On distribue des provisions de route et de la monnaie d'occupation, des francs. C'est donc bien en France qu'on va débarquer. Cela, on s'en doutait, mais où ? On a tout le temps d'écrire une longue lettre aux parents du Sussex ou de l'Oklahoma. La dernière, peut-être. Cette fois, ça y est, on y va. Je vous enverrai des cartes postales de Paris. La censure veille. Depuis quelques jours, même les ambassades ne peuvent plus communiquer avec leur gouvernement. L'Angleterre est coupée du monde. Enfin, on étudie la manœuvre du débarquement sur des maquettes extraordinairement précises. Pas un arbre n'y manque. Mais il n'y a aucun nom de lieu. Est-ce la Bretagne, la Normandie ou le Pas-de-Calais ? Soudain, les journaux annoncent que l'armée de Patton, que les GI ont baptisé en Italie le général Blood and Guts, le général Sang et Tripes, a pris position devant Douvres, face au Pas-de-Calais. En fait, c'est une manœuvre pour tromper l'ennemi. Les Allemands ne s'inquiètent guère. C'est justement ici, dans le Pas-de-Calais, qu'ils attendent l'assaut des Alliés. C'est ici l'endroit le plus fortifié de toute la côte atlantique. Rommel, qui est nerveux et fatigué, a décidé de partir en permission en Allemagne. C'est l'anniversaire de sa femme, et puis il a pris rendez-vous avec Hitler pour lui réclamer une fois de plus des renforts. La météo est mauvaise, alors c'est décidé. Il partira demain à l'aube après avoir rassuré ses troupes. Im Hinblick auf den französischen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen und brauchen uns keine Sekunde den Kopf zu brechen, ob es gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut und ich glaube nicht, dass er England ein zweites Mal wiederkommt, wenn er hier den Versuch macht. Pendant ce temps, dans les ports anglais, l'embarquement des troupes s'achève. Chargés comme des baudets, on leur a distribué tout l'équipement en triple exemplaire. Les soldats s'entassent dans les cales des navires. On attend. Un jour, deux jours, trois jours. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il fait pourtant un soleil radieux. Tout dépend du temps, en effet, et aussi de la marée et du clair de lune. Malgré les apparences, la météo est mauvaise. On a voulu débarquer le 5 juin, mais il a fallu faire demi-tour. La tempête faisait rage dans la Manche. Le 6 juin est encore bon, le 7 serait possible, mais le 8, il sera trop tard. Eisenhower voit bien que cette attente use les nerfs de la troupe. Mais que faire avec ce sacré temps qui ne s'arrange pas? Le dimanche, à 9h du soir, le chef de la météo, le groupe Captain Stagg, annonce une éclaircie pour le mardi 6. Tout le monde se tourne alors vers Ike. C'est à lui seul de décider.
I thought it was just the best of a bad bargain, so I possibly sat silently just reviewing these things, maybe, well, I'd say 35 or 45 seconds. Now it's been reported by some of the people present, for example, my own chief staff says 5 minutes. Well, I know that one, but 5 minutes under such conditions sounds like a year. Actually, I'd think after 30, 45 seconds, something like that, I just got up and said, okay, we'll go, and this room was emptied in 2 seconds. Sur 35 kilomètres de front, la plus formidable armada de tous les temps vogue vers la France, refaisant à l'envers le trajet de Guillaume le Conquérant, 9 siècles plus tard. 5000 bateaux, protégés par 700 navires de guerre, survolés par 13000 avions et transportant 140 000 hommes de troupes. Au milieu de la Manche, la tempête n'est pas encore apaisée, pourvu que la météo ne se soit pas trompée. Peut enfin décacheter les ordres de marche. Non, ce n'est pas le Pas-de-Calais, c'est la Normandie. Pendant ce temps, sur les aéroports d'Angleterre, 20 000 parachutistes s'apprêtent pour le grand saut. 2 divisions américaines, la 101e, général Maxwell Taylor, la 82e, généraux Ridgway et Gavin, et 1 division britannique, la 6e, général Gale. Pour tromper l'attente, Eisenhower vient souhaiter bonne chance à la 101e. Il a la gorge serrée. On lui a prédit 80% de pertes. Ils n'ont jamais vu le feu de près. Ils croient encore, pour quelques heures seulement, qu'ils vont jouer aux Indiens. Les pilotes ont le trac, bien plus encore que les paras. Beaucoup d'entre eux ont à peine quelques dizaines d'heures de vol. On leur a dit, vous n'aurez qu'à suivre l'avion qui est devant vous. Ne vous occupez pas du reste. Le vent a dévié les avions de leur route. Les pilotes cherchent leur drop zone et les signaux des éclaireurs. Go, 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 hurlent les sergents et tout le monde saute, un peu au hasard, éparpillé sur 40 kilomètres. On tombe où on peut, dans les arbres, dans les jardins potagers, dans les marais, où l'on se noie. Au matin, un régiment de la 82e a réussi à se regrouper et à prendre son objectif, Sainte-Mère-Église. Une trentaine de paras sont tombés ici, sur la petite place du village à minuit, en plein milieu des Allemands. L'un d'entre eux est resté accroché toute la nuit au clocher de l'église. Leur chef, le général Gavin, a sauté avec eux. À l'époque, il avait 34 ans. 20 ans plus tard, il était ambassadeur des États-Unis en France. Aujourd'hui, il évoque le souvenir de cette nuit du 5 au 6. Comment ça s'est passé? Très difficile, je pense. Et j'ai combattu avec un fusil, comme les autres soldats. Le combat ici était très difficile. Et après plusieurs jours, nous avons auprès de 50%, plus de 50% de pertes. Vous pensiez tenir de toute manière? Absolument. Nous avons arrivé ici pour défendre sa mère église et notre intention était rester ici. Mais sa mère église était pour moi la plus importante ville dans tout le monde cette nuit. Pour la 422e division aéroportée américaine, nous devions
libérer Saint-Marie-Église parce que nous devions contenir les Allemands et protéger la flanque de la débarquement. Et Saint-Marie-Église était très important pour tout le débarquement cette nuit. Voici l'objectif du débarquement. La région comprise entre la vallée de la Vire et la vallée de l'Orne. La sécurité avait été assurée par deux lâchers de parachutistes. Un autour de Sainte-Mère-Église, deux divisions américaines, l'autre à l'est de Caen, une division parachutiste britannique. Et le débarquement allait se dérouler sur cinq plages, baptisées de noms de code. Sordes, devant Ouistreham, une plage britannique, Juneau, devant Coursol, une plage canadienne, Gold, devant Arromanches, une autre plage britannique, et deux plages américaines, Omaha Beach, à côté de Vierville, et Utah Beach, devant Sainte-Marie-du-Mont. Au total, 9 divisions alliées, soit environ 200 000 hommes, en face d'elles, 9 divisions allemandes, soit à peu près le même effectif. Les alliés n'avaient donc pas la supériorité terrestre, et ils ne pouvaient gagner que s'ils disposaient d'une absolue supériorité aérienne. Quand les péniches de débarquement approchent des plages, les avions pilonnent la côte depuis l'aube. C'est le moment. Plus le temps de penser à la peur qui vous tient aux tripes. Plus le temps de penser à sa mère ou à sa fiancée. Plus le temps de penser au mal de mer. Plus le temps de penser à rien. Pourtant, à Utah Beach, tout se passe bien. La première vague d'assaut est conduite par le général Teddy Roosevelt, 57 ans, cousin du président. Noblesse oblige. L'aviation a écrasé le mur de l'Atlantique. Quelques territoriaux allemands assommés par le bombardement se rendent sans vraiment combattre. Et on s'enfonce immédiatement à l'intérieur des terres pour aller faire la jonction avec les parachutistes à Sainte-Mère-Église. Normands et Berluet n'en croient pas leurs yeux, tandis que les enfants regardent passer ces martiens tombés du ciel, comme Mademoiselle Onfroy. Bien, nous avons regardé d'abord ces hommes avec stupéfaction. Mais il y a un détail que j'aimerais peut-être rappeler, c'était mon père qui jubilait, enfin qui a eu ce plaisir aussi, et qui a dit, mon Dieu, ces garçons doivent être terriblement fatigués. Et il est allé chercher une bouteille de Calvados, du vieux Calvados. Et il était là avec sa bouteille et puis un petit verre, et les hommes qui voulaient en prendre un verre, il leur offrait en passant. Pour le moment, c'est une véritable promenade militaire. Mais où sont donc les Allemands? Ils sont là, tapis en embuscade, un bataillon du 6e régiment de chasseurs parachutistes du colonel von der Heite attend les Américains sur la route de 40 ans.
Les premiers prisonniers américains le confirment. Oui, c'est bien le débarquement. Et ils pensent en eux-mêmes, vous allez voir ce qui vous attend. Le général Meindl, qui commande le 2e corps de parachutistes allemands, vient féliciter le colonel von der Heite à son PC près de 40 ans. Le colonel von der Heite est devenu général. Mais dans cette maison, rien n'a changé, sauf la toile cirée sur la table. C'est ici que je trouvais mon post-commandement le 6 juin 1944. Véranseur, mon officier de renseignement m'a rapporté que le radar allemand a observé un rassemblement d'avions, des avions britanniques, des avions ennemis, qui ne pouvaient s'expliquer que par un rassemblement d'avions de transport. C'est pourquoi j'ai alerté mon régiment et grand matin, j'ai entendu une canonnade direction des 40 ans. C'est pourquoi j'ai donné l'ordre à mon régiment de marcher au canon, direction de 40 ans. Et je me suis rendu moi-même jusqu'à Sainte-Marie-du-Mont, où j'ai pris mon post-commandement à la mairie pour monter au clocher. J'ai monté au clocher et la vue que s'est offerte à moi était impressionnante. C'était toute la flotte américaine qui était rassemblée. Sur la plage d'Omar, c'est l'enfer. L'aviation alliée a raté ses objectifs. Les défenses allemandes sont intactes. Les amphibies ont été mis à la mer trop tôt. Ils coulent l'un après l'autre. La première vague d'assaut est clouée au sol, mais il en arrive toujours d'autres, une deuxième, une troisième, une quatrième. La marée monte. Des milliers d'hommes s'entassent entre la mer et la falaise. Alors le général Cotta se lève et entraîne une poignée d'hommes à l'assaut des blockhaus. Le débarquement d'Omaha est réussi, mais à quel prix ? 2000 morts, blessés ou disparus. Les Américains ont baptisé cette plage Omaha la Sanglante. Un des 36 000 hommes qui ont débarqué ici le 6 juin s'appelait Bill Paiev, un GI comme les autres. Je me souviens que c'était un jour, à peu près comme aujourd'hui, point de vue de temps, c'était gris, froid. C'est la première fois, vous savez, depuis presque 25 ans que j'ai vu Normandie. Je ne me souviens pas très clairement en détail, mais je me souviens les bateaux, une mer pleine de bateaux, les gens morts autour de moi, beaucoup de mes copains,
Et je me souviens d'une sorte de confusion totale où on ne savait pas où aller, où se cacher. Et je me sentais une sorte de peur dans l'estomac qui me revient un tout petit peur en revoyant cette plage aujourd'hui. Et en plus, on n'était pas les militaires professionnels, la plupart de nous. On était les jeunes, peut-être comme moi, les gens qui avaient autre chose à faire après. À la pointe du Hoc, les 225 rangers du colonel Ruder escaladent la falaise avec des grappins et des échelles de corde. Mission capitale, neutraliser une batterie à longue portée. Quand il s'en empare, le colonel Ruder a perdu la moitié de ses hommes. Et il s'aperçoit que les canons ne sont pas là. Ils sont à l'intérieur des terres. Depuis 48 heures, la résistance essaie de prévenir Londres. Cet exploit insensé n'a servi à rien. Du côté anglais, toute la nuit et toute la matinée, des planeurs déposent 6000 parachutistes sur les rives de l'Orne. Tant bien que mal. Plutôt mal que bien. La mission au départ à anglais est de s'emparer du pont de Bénouville sur l'Orne. Sur les plages anglaises, Gold et Sword, les Tommies se souviennent de la prière de Lord Astley avant la bataille. Mon Dieu, dans quelques instants je vais être très occupé. Je vais sûrement vous oublier. Mais vous, ne m'oubliez pas. La première brigade de commando débarque devant Ouistreham. Le colonel Dawson, chef d'état-major, laisse les deux péniches qui transportent les Français du commando Kieffer prendre quelques mètres d'avance. Messieurs les Français, tirez les premiers. Ainsi, ils sont les premiers à poser le pied sur le sol de France. L'un de ces Français, Gwenaël Bolloré. C'est ici, il y a 25 ans, que les commandos français ont débarqué. Vous étiez combien ? Nous étions 177. Vous veniez d'où ? De toutes les parties de la France, mais il y avait à peu près la moitié de Bretons. Vous aviez quel âge ? 18 ans. Et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Eh bien, les impressions, quand nous avons échoué, à vrai dire, nous avions des choses très importantes à faire et nous n'avions pas eu beaucoup d'émotions. Nous avions notre travail. À tel point d'ailleurs que quand nous sommes rentrés dans l'eau, en descendant des barges, nous avions d'eau jusqu'à la poitrine, et aucun de nous n'a eu le sentiment d'être mouillé. Pourtant, nous sommes restés avec ces costumes-là pendant plusieurs jours. La véritable impression très émouvante, c'est quand la flotte est arrivée, nous étions à fond de cale, et au petit jour, on nous a fait monter sur le pont. Il y avait un silence absolu. Et alors là, nous avons vu, à l'horizon, la terre de France. Et ça, ça a été pour nous tous vraiment quelque chose de très poignant. Après le débarquement proprement dit, nous nous sommes regroupés à côté d'une ancienne colonie de vacances. Et puis nous avons commencé la progression par l'arrière, c'est-à-dire que nous avons été de Rivabella jusqu'à Ouistreham en utilisant le grand boulevard et notamment la dénivellation qui est entre le côté droit et le côté gauche. Nous mettait un petit peu à l'abri du tir des Allemands. Les premiers chars sont arrivés, les chars d'Idi, et nous avons progressé, je me rappelle très bien, je courais derrière un char. Et tout d'un coup, il y a deux ou trois civils qui sont sortis et qui nous ont fait des signes. Ils nous prenaient pour des Anglais d'ailleurs, puisque nous avions l'uniforme anglais.
On a juste eu le temps de leur dire quelque chose en français, ce qui les a sidérés, et puis on est passé. Mais c'était quand même émouvant. Et nous sommes venus par derrière pour attaquer le casino. Et c'est là où vraiment il y a eu des combats assez durs. Au prix de lourdes pertes, le commando Kieffer s'empare du blockhaus que les Allemands ont construit à la place du casino de Rivabella. Alors, on peut continuer vers le pont de Bénouville où les parachutistes attendent. À la tête des commandos, le plus jeune général de l'armée anglaise, mais déjà vétéran de Narvik et de Dieppe. Il avait 30 ans. Grand seigneur écossais, il a débarqué en pantalon à côte de velours, en tricot, une carabine de chasse à l'épaule. Le général Lord Lovat. Nous avons tous tenu les couleurs vertes et les pantalons très légers. Moi en velours et mes soldats en toile. Et les souliers légers parce que nous, c'était nécessaire de nager peut-être si les bateaux ont fondu, coulé. Et après traversant la plage, qui était bien dangereux à ce moment-là, le mur atlantique de Hitler, après ça jusqu'à travers les bosquets et les vergers jusqu'aux rivières et le pont à Bénouville. Après ça, nous avons nécessaire de peut-être nager encore si le Boche occupait le pont. Et en effet, il y avait une bataille jusqu'ici à là. Mes soldats avaient tous les fusils, mais moi j'avais un fusil de chasse. Parce qu'après, en traversant le mur, c'était vraiment comme un chasseur lapin qui visait vite et tirait vite à gagner la bataille. Les parents anglais sont de l'autre côté du pont, mais les Allemands encerclent le village et on tire de tous les côtés. Alors nous sommes arrivés sur le pont de Bénouville, sur le canal, qui est maintenant appelé Pegasus Bridge. À ce moment, j'ai donné l'ordre à mon joueur de cornemuse de faire la musique pour avertir nos hommes, nos camarades dans le village et aussi peut-être pour nous donner courage. Ce jour-là, Bill Millin, le cornemuseur personnel de Lord Lovat, a traversé ainsi le pont de Bénouville sous les balles en jouant Blue Bonnets Over the Border, le chant de guerre des Écossais. Enfin, il y avait le pont à travers la rivière. À l'autre côté, j'ai trouvé Général Poet qui commandait les parachutistes. Je lui ai dit, I'm sorry, I'm late. Je suis désolé d'être en retard. En réalité, j'étais 2 minutes en retard. Sur la place Junot, à Courseul, les Canadiens se heurtent à une vive résistance, mais les chars amphibies écrasent les nids de mitrailleuses et ouvrent la brèche. Un ancien du 1er régiment de hussards du Canada, le sergent Léo Gariepi. On dit que vous êtes le premier Canadien qui a débarqué ici sur cette plage. Oui, c'est ça qu'on dit, mais à chaque fois qu'on dit ça, on oublie de mentionner qu'il y en avait 35 000 qui nous poussaient derrière. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez débarqué les premiers? Eh bien, nous appartenions, j'étais chef de char amphibie. Nous étions l'attaque initiale de l'assaut sur la plage ici, en cet endroit même. Nous sommes arrivés au large ici
au large de la côte ici, vers 4h30, 5h moins quart le matin. La mer était très agitée, il faisait des vagues assez énormes. Puis il y avait eu beaucoup de confusion à propos du lancement des chars amphibies. Alors le commandant du bar nous a dit qu'on nous lancerait pas en mer, mais qu'on nous amènerait sur la plage à sec. Alors il y a eu une petite mitunerie majeure, mineure à bord, et puis on a dit au commandant, eh bien, vous nous lancez en mer ou on vous fout à l'eau. Hein? Alors il s'est excité un peu, il a dit, c'est de la mitunerie, on le dit, vous le direz aux poissons. Hein? Alors finalement, vous avez débarqué avec les chars. Alors finalement, on nous a donné la permission de se lancer en mer. J'ai débouché, j'ai passé par travers plusieurs murailles de jardin ici parce que j'avais la trouille un peu de monter sur le chemin qui m'avait été indiqué. Je croyais que c'était miné. Alors j'ai pris tous les jardins partagés derrière la maison, j'ai défoncé 12 murs. J'ai débouché dans une rue, puis il y avait un camion gazogène sur ma route. Il y avait deux hommes et une femme sur un perron de maison. Là. Alors je me suis sorti la tête de la tourelle et puis je leur ai dit, voulez-vous bouger le camion afin que je passe? Puis on n'a pas bougé du tout. Alors je me suis mis en colère, j'ai dit, vous comprenez pas, vous êtes des idiots. Voulez-vous bouger? Mais on était ébahis parce que je parlais français. Alors, on m'a demandé de quelle façon j'avais appris le français, mais je n'ai pas le temps de discuter mon bilinguisme, hein, et allez vous abriter. À midi, les Britanniques sont solidement installés sur les plages et le matériel lourd commence à débarquer. À 4 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 10 heures après le débarquement, la seule division blindée de Rommel, la 21e Panzer, lance une contre-attaque. En chemin, les Allemands découvrent à leur tour la Jeep, un jouet pour faire la guerre. Fin de journée, la 21e Panzer atteint la plage à Luc-sur-Mer. Rommel avait raison, c'était là qu'il fallait livrer bataille. Maintenant, il est trop tard. Les Panzer grenadiers contemplent, impuissants, la machine de guerre alliée qui, sur un front de 80 km, déferle sur le continent. Et ils font demi-tour. Au soir du 6 juin, les Alliés n'ont pas atteint tous leurs objectifs. À l'ouest, la jonction s'est opérée entre Utah Beach et les parachutistes. Vierville, Omaha Beach, est étroitement encerclé par les Allemands et les Britanniques eux-mêmes sont coupés en deux par la contre-attaque allemande sur Luc-sur-Mer. Caen, qui était l'objectif principal du jour J, est toujours aux mains des Allemands. Rommel rentre d'Allemagne le soir du 6 juin. Il inspecte le front et interroge lui-même les parachutistes du général Meindl. Puis il va à Saint-Germain voir le vieux maréchal von Rundstedt, commandant en chef à l'ouest. Rommel est furieux. Il veut des blindés à tout prix. Il faut raccourcir le front et contre-attaquer, vite. Mais Hitler garde obstinément ses Panzer SS en réserve. Décidément, il est fou. Von Rundstedt baisse les yeux et se sent soudain très vieux. Le Führer ne veut rien entendre. Il n'a plus confiance en personne. Et si ce débarquement était une ruse, dit-il. De toute façon, il vit dans un rêve. Le rêve de ses armes secrètes, les V1, des bombes volantes, avec lesquelles il veut détruire Londres. En 15 jours, 2000 V1 s'abattent sur l'Angleterre, causant des dégâts considérables. Mais les Anglais en ont vu d'autres depuis 1940. Il en faudrait davantage maintenant pour changer le cours de la guerre. Hitler a enfin compris. De tous les coins d'Europe, de Russie, d'Allemagne et surtout de France, les renforts allemands se dirigent vers la Normandie. Il fait chaud à Suez. Il fait chaud à Suez, répète la BBC. C'est le signal. La résistance entre dans la bataille. Ah,
Dans toute la France, 30 000 maquisards, armés seulement de mitraillettes et d'explosifs, harcèlent les convois allemands pour ralentir leur marche. C'est l'opération Tortue. Cette action, dira plus tard Eisenhower, nous a économisé 5 divisions. La répression est féroce et les Allemands trouvent des Français, la ministre Darnan, pour les aider à tuer et à torturer d'autres Français. La division SS d'Astreich, qui remonte de Toulouse, est retardée de 4 jours. Exaspérée, les SS sèment la terreur sur leur passage. À Tulle, ils pendent des otages au balcon. À Oradour-sur-Glane, ils enferment toute la population dans l'église et ils y mettent le feu. Plus on approche du champ de bataille et plus l'allure ralentit. La propagande de Goebbels essaye de réconforter le moral des troupes et affirme « Eisenhower ne nous a pas surpris ». Pilote de chasseurs-bombardiers de l'US Air Force, le colonel Bailey. Pour moi, personnellement, j'ai un grand souvenir de l'appui au sol que nous avons fait dans la route entre 40 ans, juste derrière 40 ans. On a attrapé un convoi de renforcement des Allemands et alors on a pilonné les chars et des camions dans cet convoi. Il n'y a pas eu de réaction de la Luftwaffe. Le Luftwaffe n'était pas dans le jeu. Par la suite d'un effort qui a commencé bien avant, nous avons repoussé le Luftwaffe nettement en arrière en Allemagne. Ils n'ont pas eu assez d'essence pour réagir. Ils n'ont pas eu les pilotes qualifiés. Et c'était même pas dans le jeu du tout. Les Alliés disposent maintenant d'une solide tête de pont, mais ils n'ont aucun port important. Et en attendant la construction des ports artificiels, il est urgent de prendre Cherbourg. C'est pourquoi le général Bradley décide d'abord de couper la presqu'île du Cotentin en attaquant vers Barneville, et ensuite, une fois les forces allemandes coupées en deux, de marcher par Montebourg et Valognes sur la forteresse de Cherbourg. Les Américains remontent le Cotentin sur une route jalonnée de villages en ruine. Pour les Normands, la libération a deux visages, celui de la guerre, mais aussi celui de l'amitié. Avant les autres Français, ils apprennent quelques mots d'américain, GI, Jeep, Jerrycan, OK, thank you. Après de durs combats à Valognes et à Montebourg, les Américains approchent de Cherbourg. Les Allemands en ont fait un camp retranché. Hitler accablé, même si le pire devient pire encore. Cherbourg doit être défendu jusqu'au dernier homme. Toute l'Allemagne vous regarde.
Pendant toute une semaine, il faut nettoyer la ville, maison par maison. La ville est tombée, mais le général von Schlieben et l'amiral Reinecke se sont enfermés dans les forts avec les restes de la garnison. Soldats allemands, rendez-vous, c'est votre dernière chance, proclament les haut-parleurs de l'action psychologique. Avant de capituler, les Allemands font sauter toutes les installations du port. Le 30 juin, c'est la fin. Avec 800 survivants, le général von Schlieben se rend au général Collins. Hitler pique une crise de rage et dit « Cette grande gueule de Schlieben n'était qu'un grand lâche. » Cherbourg est pris, Cherbourg dont il ne reste rien. En 19 jours, un temps record, le génie américain aidé par les ouvriers français va remettre le port en état. Mais depuis deux semaines, les alliés disposent déjà de deux ports, des ports artificiels. On comprend maintenant à quoi servaient ces immenses jeux de cubes fabriqués en secret en Angleterre et qui ont suivi la flotte de débarquement à travers la Manche. Des dizaines de bateaux ont été sabordés pour former des brise-lames. Puis 230 caissons, des phénix, ont été coulés pour faire des digues. Ils ont 60 mètres de long et pèsent 6000 tonnes. Enfin, 18 km de jetées ont été construites avec des pontons flottants. Le port anglais a été construit à Arromanches et baptisé Winston en l'honneur de Churchill qui a eu l'idée de ce mécano géant. Le deuxième port, le port américain, a été installé devant Saint-Laurent. Le 19 juin, une tempête s'est levée. La plus forte qu'on ait connue en été depuis une quarantaine d'années. Finalement, le port américain a dû être abandonné, mais le port anglais a tenu. En deux mois, 2 millions d'hommes et 500 000 véhicules vont débarquer à Arromanches. La panoplie des Alliés réserve chaque jour des surprises aux Allemands. Une semaine après le débarquement, les Américains ont construit 45 pistes d'atterrissage en grillage métallique. On les monte en quelques heures. Perdu sur une plage déserte du sud de l'Angleterre, cette étrange boutique de crème glacée est en réalité une station de pompage secrète. Pour ravitailler le corps expéditionnaire en essence, Churchill a aussi eu l'idée de ce pipeline dénommé Pluto, que d'énormes bobines déroulent et déposent au fond de la Manche. Le pipeline suivra les armées alliées jusqu'en Allemagne. Voilà 4 ans que Churchill attendait ce moment. 4 ans qu'il avait dit au Parlement : « Vous me demandez quel est mon but ? Je vous répondrai par un seul mot :
la victoire. Maintenant, il la tient. Il voulait débarquer avec les troupes anglaises. Mais quand le roi apprit la nouvelle, il décréta « Très bien, si mon premier ministre y va, j'irai aussi ». Cela avait été le seul moyen d'empêcher le vieux lion britannique de repartir en guerre à 70 ans. Le roi George VI, à son tour, vient féliciter Montgomery. Si la couronne d'Angleterre peut s'aventurer sur le continent, c'est que la tête de pont alliée est solidement installée. Pour Eisenhower, le général diplomate se pose alors un grave problème politique, celui de la France libérée. Roosevelt, qui refuse de reconnaître le gouvernement provisoire du général de Gaulle, veut installer en France une administration militaire américaine, l'AMGOT, en attendant la fin de la guerre. Le 4 juin, Churchill a envoyé son avion personnel chercher le général de Gaulle à Alger et Eisenhower a eu un long entretien avec lui à la veille du débarquement. Les deux hommes se sont compris. En quittant le général de Gaulle, Ike lui a dit amicalement « Vous devriez parler aux Français ». Le général de Gaulle a alors déclaré au micro de la BBC « La bataille de France est la bataille de la France ». Tout un programme. Aussi, quand il pose le pied sur la plage de Courseul le 14 juin, ce geste a une valeur de symbole, aussi politique que militaire. Pour lui, la seule France légitime est celle qui, avec lui, a refusé la défaite. Pour visiter Bayeux, première ville libérée, il a emmené les principaux chefs militaires de la France libre, mais aussi, et presque clandestinement, un civil qui sera le premier commissaire de la République restaurée, diplomate et parachutiste François Coulet. Eh bien, nous sommes sur la place de la sous-préfecture à Bayeux et à l'endroit exact où le général de Gaulle, débarquant le 14 juin 1944, a prononcé son premier discours sur le territoire français continental libéré. Moment émouvant car c'est la première fois que le général de Gaulle voyait face à face les Français qu'il n'avait cessé d'encourager pendant 4 ans et c'est la première fois aussi que les Français de France voyaient de leurs yeux le général de Gaulle sur le sol français. Le général de Gaulle leur a crié sa joie de se retrouver avec des Français après 4 ans d'interruption de la légalité française. Et il a terminé son discours en appelant tous ceux qui étaient là pour la première fois à chanter avec lui la Marseillaise. Le général de Gaulle m'avait dit je pars demain pour la tête de pont, je vous emmènerai avec moi, je vous laisserai sur place pour y représenter le gouvernement français, vous vous débrouillerez. Après le débarquement sur la plage de Courseul, le général s'est arrêté au PC de Montgomery à Crully. Et là, dans le cours de la conversation, ou presque à la fin de la conversation, il lui a dit « Je laisse sur place le commandant Coulet qui s'occupera de la population civile ». Mais quel genre d'administration, alors, est-ce que les Alliés avaient prévu pour les territoires libérés? Ah, et bien, alors là, il y a quelques différences dans les vues des Alliés. Les Américains avaient prévu un système tout à fait cohérent qui consistait à avoir, à amener sur place une administration complète, y compris, je me rappelle, un maire de Cherbourg américain qu'ils avaient désigné pour le moment où la ville de Cherbourg serait libérée. De même, il se trouve que les Américains avaient fait imprimer aux États-Unis des billets qui étaient destinés à payer les frais des troupes d'occupation dans le pays. Tous les Normands, voyant cette monnaie qu'ils ne connaissaient pas, l'ont refusée. Ou au mieux, ils se sont mis à payer leurs impôts avec. Mais enfin, l'essentiel pour vous, c'était tout de même la population civile. Bien sûr, c'était le gros problème. C'était la partie à la fois émouvante et la grave question politique. Qu'est-ce que nous allions trouver en arrivant en Normandie? Est-ce que vous avez eu un problème d'épuration, malgré tout? Pas vraiment. D'abord parce qu'il y avait très peu de collaborateurs. Ensuite, parce que la population était calme, je pense, de tempérament.
Il y a eu quelques filles à qui on a rasé la tête parce qu'elles avaient été un peu trop amicales avec les Allemands. Il n'y a rien eu, par exemple, en Normandie, de comparable à ce qui a pu se passer dans les départements du Midi de la France après le débarquement sud. Où là, alors, d'abord des querelles de partis, de personnes, des vengeances personnelles ont pu s'exercer, et où aussi la collaboration avait pris un visage infiniment plus odieux que les quelques Normands qui avaient dans leur maison le portrait du maréchal Pétain et qui supportaient le régime de Vichy en attendant qu'il change. Et quelles ont été vos relations avec la résistance ? Très facile, très simple. La résistance normande était unie derrière ses chefs. Elle se composait d'un nombre important de patriotes décidés qui immédiatement se sont considérés comme les soldats du gouvernement qui s'installait. Montgomery, qui piétine devant Caen depuis 3 semaines, décide le 26 juin de lancer une grande offensive, l'opération Epsom. Mais le temps est couvert et les avions alliés ne peuvent pas décoller pour soutenir l'avance des Sherman. Cinq divisions blindées de SS attendent l'attaque des Écossais. Ils sont équipés de Tigres, chars de 48 tonnes, armés du fameux canon de 88. Matraquer les blindés alliés. Un seul équipage a détruit 16 Sherman en une heure. L'opération Epsom est bloquée. Les jeunes recrues fanatisées par Hitler ont le sourire, mais le temps s'éclaircit. L'aviation alliée reprend l'air et elle attaque l'aérodrome de Carpiquet dans la banlieue du camp, tenue par la 12e Panzer SS. Montgomery veut en finir et décide de pulvériser les défenses allemandes. Le 7 juillet, il lâche 467 bombardiers lourds sur Caen avant d'attaquer la ville de front. Témoin de ces bombardements, le chef de la résistance à Caen, Léonard Gille. Cette ville était absolument détruite à 87%. Tout le centre où nous sommes, avait été brûlé, abattu, bombardé plusieurs fois. Pensez ce que la population pouvait être au milieu de tout cela. Ce qui était triste, c'était l'état des blessés. Certains étaient ensevelis sous des mètres et des mètres de moellons. Certains ont agonisé pendant plus de 30 jours, et nous savons qu'ils sont morts à petit feu. Nous n'avions plus ni eau, ni gaz, ni téléphone, ni ravitaillement, ni chemin de fer. Pour survivre, on allait dans les caves chercher les quelques réserves, mais le moral était très élevé, car la libération nous attendait. Notre souffrance, nous savions qu'elle n'était pas vaine, et que les troupes des Alliés n'étaient pas loin. Il faut bien vous représenter qu'à ce moment-là, lorsqu'une ville a été détruite, il n'y a plus de rue, il n'y a plus de possibilité de circulation, mais seulement une série de rochers. Les Allemands étaient tapis
dans cet immense chaos que constitue une ville bombardée. Un mois après le débarquement, les chars canadiens entrent dans la ville. Après 10 jours de combats de rue, M. Gilles peut enfin célébrer avec les Britanniques la libération complète de Caen, ville martyre. Montgomery, critiqué à Londres pour sa lenteur, veut alors se lancer tout de suite sur la route de Paris. Il inaugure le 18 juillet l'opération Goodwood par un formidable bombardement de l'aciérie de Colombelles, où les Allemands se sont retranchés. Le colonel von Rosen était là avec ses tigres. J'étais un très jeune chef d'une compagnie de tigres, mais déjà expérimenté pendant 3 ans de combat en Russie. Comme d'ailleurs tous mes gens aussi. On était ici, près de Caen, dans cette plaine, derrière nous, l'aciérie de Colombelles, sur laquelle on a combattu pendant 3 semaines. Ici, Jivaville. Et nous sommes ici, dans cette plaine qu'ils appellent aussi le couloir, dans laquelle les Anglais ont attaqué le 18 juillet pendant l'opération Goodwood. Le matin du 18 juillet, je dormais sous le char et je me réveillais vers 6 heures du matin par un bruit infernal des avions. Et quelques instants plus tard, les premières bombes tombaient déjà. Pendant 3 heures, la compagnie était en plein centre de ce bombardement. Un char était touché en plein, il brûlait tout de suite. Devant un deuxième char, une bombe éclatait et par la pression d'air, le char s'est tourné sur la tourelle. Et un tigre à 48 tonnes. À peu près 20 mètres, devant mon char personnel, une bombe éclatait. Et par la pression d'air, moi, j'étais jeté dans un coin et inconscient pour quelques instants, je ne sais pas combien de temps. Ça durait 3 heures. Un de mes gens se suicidait à l'intérieur du char. Il ne pouvait plus supporter ça. Il y avait 2 autres que je devais envoyer dans un asile. Après ce bombardement, on a senti la première fois une chose contre laquelle on ne pouvait absolument rien faire. Dans le fracas des chaînes antimines, les chars Cromwell se mettent en branle le 18 juillet à 5h30 du matin. Les tigres ayant été mis hors de combat par le bombardement, les divisions anglaises atteignent la ligne de chemin de fer à Cagny et avancent facilement dans la plaine. Soudain, ils sont pris à partie par les batteries de 88 de la DCA allemande. Les Allemands utilisent de nouvelles armes anti-chars
comme les Goliaths téléguidés. Et les lance-roquettes, imitation des orgues de Staline. Plus de 100 chars anglais sont détruits, l'opération Goodwood est stoppée. À l'ouest, les Américains du général Bradley, qui ont pour objectif Saint-Lô, piétinent eux aussi dans le bocage. Impossible de progresser dans ce dédale de haies où se cachent les tireurs d'élite, les paras et les SS de la 7e armée allemande. Seuls les petits Piper Cubs, qui sont les yeux de l'artillerie, permettent de nettoyer le terrain, une haie après l'autre. Now, I'm talking all right. Fire when ready. Roger! Fire! Même les chars sont empêtrés dans le bocage. 12 divisions mettent 17 jours pour avancer de 10 km. Un bricoleur américain, le sergent Cullin, invente alors un nouveau monstre, le rhinocéros. Avec les chevaux de frise de Rommel, il confectionne des éperons qu'il soude à l'avant des chars. Grâce à lui, les blindés sont libérés du bocage et la progression reprend. Le 18 juillet, les Américains s'emparent enfin de Saint-Lô. Ils ont perdu 40 000 hommes. La première Jeep qui pénètre dans la ville porte sur son capot un cercueil recouvert du drapeau étoilé. C'est le corps du major Howe, tué la veille par un obus. Il avait juré d'entrer le premier dans Saint-Lô. Ses hommes ont respecté son serment. Eisenhower estime que le moment est venu de percer, d'autant plus qu'il a la supériorité numérique, puisque les Allemands n'ont plus à lui opposer que 23 divisions, dont les deux tiers barrent la route de Caen à Paris. C'est pourquoi il va percer à l'ouest, entre Saint-Lô et la mer, en lançant la 3e armée du général Patton vers Avranches et la Bretagne. Et l'opération Cobra, le 25 juillet, commence par un fantastique bombardement des lignes allemandes. Les chars du général Hodges ont percé, l'armée Patton s'engouffre dans la brèche et l'avance des GI à travers les villes libérées commence à prendre un air de victoire. Pourtant Hitler, qui agite fièrement sa main bandée et souriant. Il y a de quoi, le 20 juillet, il a échappé à un attentat dans des conditions incroyables. Dans le PC de Rastenburg, surnommé la tanière du loup, le colonel von Stauffenberg, chef des conjurés, a déposé une bombe sous la lourde table de conférence dont l'épaisseur a sauvé la vie du Führer. Fidèles d'Hitler se congratulent. Le complot des généraux a échoué. Trois jours plus tôt, Rommel, qui en était l'un des chefs, a été mitraillé et blessé par un chasseur allié sur une route de Normandie. Il est remplacé par von Kluge.
Pour les Allemands, la situation devient très inquiétante. Ils n'ont aucune résistance à opposer à Patton qui se répand en Bretagne, vers Brest, Nantes, Le Mans. D'autre part, Montgomery, de Caen, essaie d'atteindre Falaise. Un encerclement paraît se dessiner. C'est à ce moment-là qu'Hitler donne l'ordre aux Panzerdivision d'attaquer de Mortain vers Avranches pour couper le territoire tenu par les Américains là où est le plus étroit et atteindre la baie du Mont-Saint-Michel. Ayant roulé toute la nuit pour éviter les attaques aériennes, cinq divisions Panzer surprennent les Américains. Ils sont repérés par 10 escadrilles de typhons de la Royal Air Force armées de roquettes. Chars détruits, les Panzer SS sont décimés. Pour la première fois dans l'histoire militaire, se lamentent les généraux allemands, une puissante offensive terrestre a été arrêtée uniquement par l'aviation. Sur les plages normandes, les renforts alliés ne cessent d'affluer. Le 1er août, la 2e DB débarque à Utah Beach, 3 ans après le serment de Koufra. Trois ans après que le général Leclerc partit du Tchad et juré de ne pas déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte sur Paris et sur Strasbourg. Hommes, 410 blindés, 650 canons français se joignent aux armées américaines dans un vaste mouvement tournant vers le sud. Dans un trait de génie, le général Bradley a eu l'idée d'encercler les débris des trois armées allemandes qui refluent maintenant vers la Seine. Les Anglais referment la tenaille par le nord. Le 14 août, soutenu par 1000 bombardiers et 720 canons, 900 chars canadiens lancent une charge blindée en direction de Falaise. Et le 16 au matin, les Canadiens prennent Falaise et le château de Guillaume le Conquérant. Alors, Montgomery téléphone à Bradley, rendez-vous à Chambois. Et le 19, les Alliés font leur jonction dans ce petit village sur la Dive. 10 divisions allemandes sont prises au piège. Sur le mont Ormel, les Polonais du général Maciek gardent l'entrée de la poche de Falaise. Montgomery leur a dit, vous êtes le bouchon, tenez bon. Un de ses officiers polonais, le colonel Czarnecki. Devant nous se trouve la poche de Falaise, où se trouvent les Allemands, là-bas, la 7e armée allemande encerclée. Encerclée de façon suivante. À gauche de nous, au sud, derrière ces collines, un élément français de la 2e 2B. Plus loin, au pied de l'auteur à Chambois, un groupement polonais, un bataillon américain. Sur les hauteurs, dans la forêt, les Américains. De l'ouest, venant vers nous, les Anglais. Au nord d'ici, les Canadiens. Sur ces hauteurs, ici, la côte 262, coup d'art Montormel, se trouve le gros de la division blindée polonaise.
2 régiments blindés et 3 bataillons d'infanterie. D'ailleurs, ce char que voici, c'est le char Sherman de notre division. Et le nom qui est inscrit, Général Maček, c'est le nom du chef de notre division pendant cette opération. Nous sommes arrivés sur cette hauteur le 19 août dans l'après-midi. Immédiatement, quand nos chars sont arrivés ici, du 1er régiment blindé, ils sont mis en batterie. Pourquoi ? Sur toutes les routes que vous voyez, surtout sur cette route de Vimoutier qui est quelques centaines de mètres, mais sur les autres routes, c'était les colonnes extrêmement serrées, de chars, de véhicules, de camions, tout ça sortait de cette poche. Les éléments fanatisés, surtout SS, se faufilaient comme des loups dans les vergers par les petites routes pour essayer de sortir. Ils essayaient d'entrer dans notre dispositif, mais c'était trop tard. Peut-être quelques-uns ont réussi de traverser, même certainement, mais les autres ont resté dedans. Un des parachutistes encerclés, Johannes Borner. Pour sortir de la poche de falaise, le 19h44, nous étions cachés en dessous de ces ponts. Latif, au-dessus, il y avait des Canadiens. Nous ne pouvons pas passer quand la poche se ferme juste devant nous, juste au pont là. Tout autour, il y avait des Canadiens, des Américains, le régiment polonais. Et nous sommes donc reculés. Nous sommes restés 2 jours enfermés dans cette poche-là jusqu'à le 21 août, dans la matinée. Vous aviez quel âge, vous? J'avais 17 ans. Le moral était très, très bas. Hein? Et donc, pourquoi est-ce que les parachutistes continuaient à se battre alors de cette façon? Nous étions tous des jeunes, 17 ans. Nous étions très disciplinés, dressés en Allemagne. Voilà. La colline qui se trouve là-haut est détenue par les troupes canadiennes. Nous avons attaqué le 20 août à 10h du matin. Nous nous sommes rassemblés dans une compagnie de parachutistes, donc OGD, un régiment de SS. Hein. C'est un officier SS qui a commandé de ça, l'attaque, parce que le Wehrmacht ne voulait plus. Il avait le moral très bas, il ne voulait plus tenir, il ne voulait plus rien faire. Donc nous avons attaqué cette colline qui dure à peu près une demi-heure. C'était seulement 200 mètres à monter. Donc c'était très, très dur. Nous avons commencé par attaquer avec 6 kails, hein, pour donner nous un peu de force. Hein. Et puis nos tomes sont tombés comme des mouches. Vous voyez, cette poche était fermée des 3 côtés. De l'ouest venaient les Anglais comme un rouleau compresseur qui poussait les Allemands vers nous, sur cette position qui domine tout. C'était une massacre, c'est un champ de bataille qui restait un souvenir atroce de cette guerre. C'est un second Stalingrad. En 2 jours, 2 armées allemandes ont fondu dans le chaudron de falaise. En 2 jours, Hitler a perdu ses meilleurs régiments, l'élite de ses parachutistes et ses redoutables divisions Panzer-SS qu'il avait si longtemps hésité à jeter dans la bataille. Morts, blessés ou prisonniers. La bataille de Normandie a duré 2 mois et 15 jours, plus de 2 longs mois. Mais la route de Paris est ouverte. Le 19 août, la capitale se soulève et la 2e DB vole à son secours.